Quand t'as une grosse tête, tu craques. Craque. Bonjour. Mesdames et messieurs, aujourd'hui on va déballer et débattre sur des objets contenus dans cette petite bobotte. YesStyle nous a permis d'offrir des cadeaux aux unes et aux autres. Et c'est juste qu'on ne sait pas qui a acheté quoi pour qui. On va piocher à l'aveugle dedans. On va chacune présenter nos objets, il va falloir les défendre. À la fin de chaque objet, on va décider quel objet était le plus inutile. La personne qui aura l'objet le plus inutile viendra piocher un petit malus dans la petite bobotte et va devoir du coup présenter le prochain objet avec un malus. Ça me stresse. Alors je vous présente... C'est quoi la couleur? Je comprends pas, c'est du gris? C'est du... charcoal grey. Ça vient des tuiles aussi. Voilà. Mais je me sens on les a souvent vus ça en Corée. C'est quoi ce bordel? Non, c'est parce que quand tu utilises un... Il faut pas ouvrir un... Je veux juste sentir. D'accord, mais fais attention. Personne regarde. J'aurais dit c'est du grand Inès, mais étant donné, je pense que c'est peut-être plus du Carla. D'accord. Non, c'est pas du grand Carla. Alors je vous explique, quand on veut se maquiller, etc. machin, mais qu'il y a toujours des cheveux qui reviennent, on met ça. Là, ouais. Là c'est pas un bandeau. Là, il fait un bandana à la Rambo. Mais ça, c'est ouf quand vraiment quand tu veux faire... Mais en fait, je suis en train de vendre ton produit. Donc, aussi. Le truc qui est sympa aussi, c'est qu'on peut aussi acheter chez Jiffy une petite lampe que vous pouviez poser là comme ça vous pouvez aller faire des choses dans la forêt le soir, c'est sympa. Si bien sûr vous voulez pratiquer le judo ou des choses comme ça. C'est un doudou, c'est aussi une écharpe que vous pouvez mettre de la sorte. Et surtout, c'est comique. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, je sais exactement qui c'est qui a acheté ça, c'est Sixteen. Oh, c'est trop chou. Ce sont des petites patounes de petits chats que, en gros, tu mets sur... c'est le truc le plus mignon du monde. Que tu mets sous tes pieds de chaise, comme ça, ça fait pas de bruit. Et ça, c'est excellent quand, voilà, t'as des voisins qui sont chiants et tu te dis, zut, comment faire? Bah, je mets des patounes de chat. Et le truc qui est génial, en plus, c'est que tu peux mettre sur tes doigts. Et comme ça, tu peux faire des batailles de patounes de chat avec ton chat. Ah. Alors, quel produit donc est le plus inutile? 1, 2, 3... Inès, c'est moi le plus inutile. Ouais, je suis quand même une bonne joueuse parce que je vote pour moi. Un malus pour... Tu faisais pas la même quand je jouais au petit chevaux cet été, hein. La gueule. C'est quoi? Je vais devoir chanter en présentant mon produit. D'accord. Nous avons devant nous... Attendez, je vais l'enlever de... Je pense que c'est ça que ma mère a dû dire, c'est trop mignon, je le veux. C'est un squishy, c'est un squishy. Je sais, je l'ai acheté pour toi. Mais arrête, on t'a demandé de l'ouvrir, pas de le tripoter. Bah si je l'avais acheté pour toi, tu l'auras pas. C'est un œuf dur, mais mou, avec un point rouge et deux points blancs. Ah d'accord, ok. Bah très bien, ok. Bon, bah je vais prendre des notes, hein. J'ai l'impression que tu vas piocher. Ah mais oui, mais moi, je les collectionne. On peut collectionner divers coloris. Quand t'as une grosse tête, tu craques. Crac. Alors, un cash AirPod, mais je ne sais pas comment le défendre parce que je suis la seule. C'est pas durable, tu changes. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour l'accrocher autour de ton jean. Je prends mon bras. Tu cours dans mais ta chambre. Mais t'as pas dans le sens, Sixty, wow. Wow, chanteuse d'opéra. Non, arrête. Petit AirPod. Qui se présente le fion. Ok. Selon nous, quel est l'objet le plus inutile? Ah, c'est bien, même Carla l'a voté pour elle, je vois. Là... Ah, en anglais, mais putain. En anglais. Ah, j'adore. I need your attention. Okay. Your attention. Okay. Alors, there is a lot of colors. C'est quoi ça? It's like an umbrella. Ah! Mais un umbrella. C'est pas toi qui as acheté ça? Mais umbrella? Non. En fait, tu le mets à ton entrée et t'accroches tes clés, tes conneries quand je rentre. Ça, à votre avis, à quoi ça sert? C'est pour enlever les poux. Ah, c'est pour brosser les moustaches. Quand tu te brosses les cheveux, sur ta brosse à cheveux, tu laisses des cheveux. C'est pour pouvoir tout bonnement enlever les résidus qu'il y a sur ta brosse à cheveux. T'as payé ça combien? C'est super utile. Qui c'est qui a acheté ça? C'est des fossiles. Et c'est des parapluies. Ouais. Je suis absolument pas d'accord. Je suis désolée. Mais ouais, à quoi ça sert? Mais c'est ça, tu importe ta brosse. Ça, c'est bien du chewing-gum. Regarde, t'arrives. Ça t'arrive. Mais en deux secondes, tu la passes sous l'eau, c'est fini, hein. Ah. Encore rien. Tiens, Hamida, Hangugo Chal, Molayo. Igonen, Tinta, Momola. Né. Ça soulage ta plante de pied. Non, mes pieds rentrent pas dedans.
Mais toi, t'as les pieds de l'espace, mais moi, ils rentrent dedans. Sixteen tinsa tuktukeo. Elle a dit tuktukteo, c'est drôle. Il y a un truc dont j'ai très envie, et du coup, je sais ce que c'est, donc je nique un peu le système. Merde, je suis dégoûtée, c'est pas ce que je voulais prendre. C'est une patoune. Regardez, c'est trop mignon. Je pense qu'on est d'accord pour dire que j'ai même pas à argumenter. T'as pas besoin de défendre le projet. C'est beaucoup trop mignon. Les chaussettes de chaise. Les pieds de chaise. Bah, c'est proposer ta petite tasse. Et moi, je trouve ça très mignon parce que t'arrives le matin, par exemple, tu veux faire le petit déjeuner à ta meuf ou à ton mec, t'arrives, tu le poses comme ça. Hop, ça rajoute un petit plus dans la relation. Je dis ça, je dis rien. Le truc le plus inutile dans nos vies actuelles. 2, 3. Non. C'est marqué quoi? Il y a marqué chanter, je crois que c'est mort. Et alors c'est le jeu. C'est le jeu. Mais non. Chanter. Mais oui, parce que c'est ton destin. Chante. Merde, je pense qu'elle est tombée sur ton fameux cadeau. En fait, je t'ai dit que je voulais ta... Un homme ou une femme? Un homme ou une femme. Mais parce que... Mermoud. Je sais pas pourquoi je l'ai vu, j'ai fait ah ça c'est du carla. Il est beau, Mercure, il est beau gosse. Il est végère. Il est beau. Regardez les beaux gosses. Il est un peu. Il est beau gosse. J'ai besoin d'une présence masculine dans la dans ma chambre pour me surveiller. Pourquoi? Je ne sais pas. Oh fuck. C'est Charlotte. C'est alors, moi qui l'ai acheté, je crois. Oui, alors ce qui m'énerve avec ça, Inès. Oui. C'est qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on se dise. Oui. Je t'ai acheté aussi une Charlotte. La même en bleu. Ça remonte à notre premier voyage en Italie avec Inès. C'est très bien. Quand j'ai découvert que Inès mettait des charlottes pour se toucher. Il est vrai que bien que je n'ai rien contre les personnes s'appelant Charlotte, je trouve ça fort inutile. Franchement, elle est bien ta Charlotte. What the fuck? C'est quoi cette merde? Sixteen, c'est toi qui as acheté ça. C'est un thermomètre. C'est quoi? C'est pour les oreilles. C'est pas c'est Carla? C'est Carla? Airpick. Ah, c'est pour se percer les oreilles. Non, c'est pas pour se percer les oreilles, c'est pour enlever le cérumen des oreilles. Mais c'est super pratique. Attends que je le fasse en chantant. Alors c'est un petit objet qui enlève le petit caca des oreilles qu'on appelle beurrer la biscotte. C'est pas ça. Le cérumen. Et tu vois, du coup, ça c'est réutilisable, t'as juste à le laver. Et en plus, c'est lumineux. Ah, c'est lumineux. Oui. C'est lumineux. C'est lumineux. D'accord, gentil. Alors je suis tellement quoi. 1, 2, 3, allez zout, génial. Ouais. On pense ça depuis si longtemps. En coréen. Allez, on assume. On assume. Mais franchement, okay. c'est trop cool. Oh, magnifique coque. Regardez. Oh, c'est toi qui te l'as acheté. Mais c'est pas pour moi. C'est mon pied. C'est pour toi. C'est rose bonbon et il y a marqué I'm tired dessus. Focus. Pas de mise au point. Bon, c'est pas grave. Aïe. Allez, c'est bon. C'est ce que je me suis acheté pour moi. C'est un cache AirPod aussi. C'est quoi ça? Bah c'est un faux AirPod. Apple IEO. Ah. Polystyrène IEO. Capuche IEO. Inutile Ignida. D'accord. Le premier produit de beauté, on a acheté d'autres choses mais c'est pas dans la boîte, c'est pour les porcs. Et j'ai acheté pour toi parce que je sais que t'aimes beaucoup tout ce qui est porc et tout ça. J'aime beaucoup les bateaux. Oh bordel! C'est un exfoliant en stick. C'est super! 2, 3. Je vais vous faire foutre. En rime! Poupi poupi. Ok! Poupi. C'est... Alors, voici un masque au lait au chocolat. C'est comme si tu mettais ton chocolat juste sur ta tête. Je sais pas quelle propriété ça a le chocolat, mais c'est sûr, c'est bon. Ouais, c'est sûr qu'il y a des du cacao, c'est des bons trucs. J'ai envie de le manger. C'est ça le problème. Alors, tu es en rime, Sixteen. Mesdames et mesdames, qu'est-ce donc que cette chose qui sent la rose? J'ai pensé à notre fierté de la chaîne. Non, Sixteen, le rouge à lèvres! T'as le foutu rouge à lèvres partout! Lorsque nous avions mis des masques et que la vidéo ait été partagée jusqu'au Pays Basque. Wow. Merci. Il y a marqué easily correspond to daily makeup. Ah. Il reste deux produits. Et meuf, je sais exactement ce que c'est ces produits-là, donc je les sors tous les deux en même temps parce que c'est les deux pareils. Mais non. Alors ce sont des poulets en porte-clés. Ah non, mais je pensais qu'ils criaient moi. Ah mon dieu. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Mais je vais le mettre sur mes clés, mais ça va partir partout ça. Mais c'est trop bien. Bah en tout cas cet objet est hyper drôle, moi je vous le conseille. Mais pourquoi il vient d'ici? Bah parce que c'est un monsieur. Ah bah non. Non c'est pas un monsieur. Bah ouais c'est pas un monsieur. Fille. Bah non c'est une poule. Mais c'est pas ça. Ah ouais c'est un zizi. C'est pas sa vulve quand même. Après... Ah mais c'est parce que...
Je suis trompée. C'est arrivé dans mon œil. Ah ah. Sixtine sur ma vie. J'ai fait comme ça et le truc a... Moi, ce qui me dégoûte, c'est que c'est son liquide amniotique. On remercie quand même YesStyle, voilà, de nous avoir permis d'acheter toutes ces conneries. Dites-nous en commentaire l'objet qui vous a le plus plu. Tout est dans la description. Alors, voilà. Du coup, vous allez avoir un code promo pour avoir des réductions sur YesStyle. Donc, on vous invite à y aller si vous voulez, du coup, en profiter. En vrai, bah, question qualité, en vrai, je m'attendais à quelque chose de moins quali. Ouais, c'est vrai. C'était la première fois qu'on commandait chez eux. Et en attendant, bah, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on va toutes prendre une douche avec nos Charlottes. 1, 2, 3, on disparaît. Et on disparaît. J'adore tes sandales. Merci. Cette petite histoire, on les a achetées au Japon. Quand un jour il pleuvait tellement que toutes nos chaussures étaient mortes, on a fait un mental breakdown. En mode genre, on veut des sandales. Est-ce que... Cela ne viendrait pas de la mode en Chine lorsqu'elle se mettait la tête plein de produits fifines.